première sèche avec la Black Label. Faut attendre ce crâne, hein. Elle est assez légère. Muy buenos dias, la skatosphère. Qui c'est qui se met yam avec la nouvelle petite deck, les gars? Faut absolument que je passe le stock des planches sur le skate shop. Donc j'ai pas monté une planche de la skatosphère. J'ai fait péter la Black Label, jamais testé cette marque, ça va être l'occasion. Les amis, matez ce qu'ils sont en train de faire à la Bobby là. Ils ont été dessus tout le week-end. Et la dernière fois je vous avais montré cette rampe aussi. Ils sont en train de faire la petite sœur à côté. Alors je pense que ça va être la même taille, mais du coup ça va être plus large. Donc encore des belles choses à la Bobby là qui arrivent. Cimer au loco. Franchement les gars, ils régalent de ouf. Je vous fais pas plus patienter les G's. On va attaquer la session. Vous avez vu que j'ai aussi fait péter les petites Nike SB. L'élastique des slip-on, il a fini par péter. Le grip il a pas tenu, je vais le refaire. Les lignes elles étaient trop fines. Et ça j'ai collé, c'était du papier collé un peu à l'arrache. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon les G's, première sèche avec la Black Label. Faut attendre ce crâne, hein. Elle est assez légère. Le pop est cool. La banane elle a eu un léger souci. Je crois que j'ai perdu les petits bouts là dans le parc. Les poteaux ont mis quelques tricks dans la vidéo. Faut que j'aille prendre le rasta, c'est la première fois qu'on roule ensemble. Yepa. Il a essayé de faire une dinguerie juste devant moi là. Il revient. Bon les potos, ils régalent le truc de fin. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Peace.